syndicats. Dans l'île voisine de la Martinique, un appel est lancé pour la sauvegarde du patrimoine architectural d'un quartier de Fort-de-France. Devant la poussée de l'immobilier, les vieilles maisons, dites maisons folles, construites dans les années 20, disparaissent les unes après les autres. Celui qui distribue des tracts aux automobilistes, c'est Yann Monplaisir. Homme politique, Yann Monplaisir agit, dit-il aujourd'hui, d'abord en simple citoyen, défenseur du patrimoine. Son combat, sauver cette maison de la route de Didier, mieux connue sous le nom de Chepup. Une bâtisse qui date des années 20 et qui surprend par son architecture. Il nous revient qu'effectivement, cette maison dont le conseil régional a fait l'acquisition ferait partie d'un projet de construction de musée qui nécessiterait, dit-on, sa destruction. Sans cesse sollicité par des promoteurs immobiliers qui leur font des offres alléchantes, les propriétaires craquent les uns après les autres, mais il y a des résistants. Je suis très amoureux de cette maison, comme de toutes les vieilles maisons coloniales, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait inscrire cette maison à l'inventaire des monuments historiques, ce qui apporte certaines contraintes, mais ce qui m'assure qu'elle sera préservée. Pas facile en effet de garder ces maisons en bon état. Coûts de rénovation élevés, problèmes d'indivision font qu'elles sont vite abandonnées. Dans certains cas, la DRAC, les collectivités locales, apportent une aide aux propriétaires privés. C'est à une véritable prise de conscience que Yann Monplaisir invite les Martiniquais. Dans quelques années, selon lui, il ne restera plus rien de ce témoignage du passé.